retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, alors, sujet du jour, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. On va commencer par les accidents vasculaires cérébrales, ou cérébraux, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'un AVC ? Donc, anciennement, d'ailleurs, l'accident vasculaire cérébral, à l'époque, ça s'appelait accident cérébro-vasculaire ACV. Donc, maintenant, ceux qui croyaient que c'était l'ACV, aujourd'hui, on appelle à nouveau AVC. Parfois, on appelle aussi attaque cérébrale, tout simplement. Alors, c'est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Le terme accident est utilisé pour souligner l'aspect soudain voire brutal de l'apparition des symptômes, bien qu'il s'agisse en réalité d'une maladie, ses causes malheureusement étant de nature interne. Alors, les symptômes peuvent être très variés d'un cas à l'autre selon la nature de l'AVC. Alors, on parle de nature ischémique ou de nature hémorragique, on en reviendra tout à l'heure en détail. Alors, l'endroit et la taille de la lésion cérébrale, ce qui explique un large spectre. Alors, on parle de aucun signe remarquable, perte de la motricité, perte de la sensibilité, trouble du langage, perte de la vue, perte de connaissance, décès, etc. Alors, ces symptômes, s'ils apparaissent très rapidement en quelques secondes, peuvent disparaître aussitôt ou en quelques heures. On parle alors d'AIT. Ou au contraire, persister plus longtemps, on parle alors d'AIC. Alors, en cas de survie, le processus de récupération est encore mal connu, mais une période de récupération spontanée allant de quelques semaines à quelques mois, suivie d'une période d'évolution plus lente pendant plusieurs années, est constatée. Dans les pays occidentaux, on parle notamment en Europe et aux États-Unis. Alors, voilà les chiffres. Un individu sur 600, je parle bien de un individu sur 600, est atteint d'un accident vasculaire cérébral chaque année. En France, on est 120 000 en France à être touchés par l'AVC. C'est très important. 80% d'entre eux sont des ischémies et 20% des hémorragies. Approximativement aussi, la probabilité de faire un AVC ischémique augmente avec l'âge, tandis que la probabilité de faire un AVC hémorragique est indépendante à l'âge. L'AVC est la première cause de handicap physique de l'adulte et la troisième cause de décès dans la plupart des pays occidentaux. Il y a une autre définition. Donc, au Canada, donc l'AVC on appelle ACV au Canada. C'est-à-dire accident cérébrovasculaire, et même le terme d'AVC est actuellement employé au Canada. On parle aussi d'apoplexie ou attaque d'apoplexie, qui est un terme anciennement employé plus général, et c'est en fait l'effet visible de l'accident vasculaire cérébral, incluant une perte de connaissance avec arrêt partiel ou complet des fonctions cérébrales, ou une attaque provoquant la perte de conscience ou la mort soudaine du patient. On parle alors par exemple d'apoplexie foudroyante. Alors, il y a plusieurs classifications d'accidents vasculaires cérébrales. Je vais essayer de vous en parler petit à petit. L'accident vasculaire cérébral peut être transitoire, donc le fameux AIT, avec retour rapide à l'état normal, sans séquelles aussi, c'est-à-dire en moins d'une heure, et sans preuve d'infarctus à l'imagerie. Le déficit peut être au contraire permanent. Il est alors question d'accident vasculaire cérébral constitué, c'est-à-dire AIC. Alors, il existe deux types d'AVC. Alors, il y a l'infarctus cérébral, ça c'est le premier type. L'infarctus cérébral, ça consiste en fait, c'est par obstruction d'un vaisseau sanguin, c'est-à-dire que 80% de l'ensemble, c'est-à-dire que ça concerne 80% de l'ensemble des AVC. Et enfin, le deuxième type, c'est l'hémorragie cérébrale, c'est-à-dire que ça provoque un saignement dans le cerveau. Voilà. Donc ça, maintenant vous savez les types d'AVC. Alors les AVC sont donc classés des accidents ischémiques et en accidents donc hémorragiques. Alors, quels sont les accidents ischémiques ? Ces accidents ischémiques sont dus à l'occlusion d'une artère cérébrale ou à destination cérébrale, c'est-à-dire les carotides internes ou vertébrales. Le cerveau est donc partiellement privé d'oxygène et de glucose. Cette occlusion entraîne un infarctus cérébral, appelé également ramollissement cérébral.
Le mécanisme de cette occlusion est le plus souvent soit un athérome obstructif, soit un caillot, tout simplement, de forme locale ou par embolie, dans ce cas, le plus souvent d'origine cardiaque, d'ailleurs. Alors, cependant, d'autres causes peuvent exister. Donc, on parle de la déchirure de la paroi de l'artère, une dissection en général, d'ailleurs, une compression par une tumeur aussi. Et le déficit concerne un territoire bien défini du cerveau. Il est dit, d'ailleurs, systématisé. Le ramollissement cérébral d'origine ischémique peut se compliquer secondairement d'un saignement au niveau de la lésion. Il est alors question de ramollissement hémorragique. La thromboflébite cérébrale est une occlusion d'un veine cérébral et non pas d'une artère. Elle est beaucoup plus rare d'ailleurs. La lacune cérébrale est une complication de l'hypertension artérielle et se caractérise par de multiples petites zones concernées par un infarctus cérébral. L'hypertension artérielle aussi est le principal facteur de risque d'AVC. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'hypertension, faites attention, ça peut provoquer des AVC. Par exemple, chez une personne en bonne santé, la pression artérielle doit être inférieure de 140 sur 90 mm par de mercure. Alors, si vous voyez dans vos tensiomètres 14.0, il faut que vous soyez en dessous de 14. Si vous êtes au-dessus de 14, commencez déjà à vous inquiéter. Le 90, c'est la deuxième ligne. Par exemple, sur un tensiomètre, vous avez deux lignes. Vous avez le haut, en haut un gros chiffre et un deuxième chiffre. Maintenant, vous savez, il faut que ça soit entre 140 et en dessous de 140 et en dessous de 90 sur la deuxième ligne. Alors, en cas d'hypertension, c'est-à-dire au-dessus de 14,9, la pression à laquelle les vaisseaux sanguins sont soumis en permanence devient trop élevée et les vaisseaux cérébraux courent un risque accru de rupture, provoquant ainsi une hémorragie cérébrale. Voilà, ça c'est vraiment, ça c'est l'accident ischémique. Maintenant, je vais vous parler du détail sur l'hémorragie, l'accident hémorragique. Alors, les accidents hémorragiques sont causés par la rupture d'un vaisseau sanguin, souvent endommagé ou en mauvais état à l'origine, est soumis à une pression sanguine excessive. Le tabac et l'alcool sont des facteurs particulièrement fragilisants des vaisseaux sanguins. Suivant la localisation du vaisseau, l'hémorragie peut être méningée par rupture d'un anévrisme artériel au sein des espaces sous-arachnoïdiens, intracérébral aussi, qui sont dits aussi intraparenchymataux. Oui, on va me dire à tous les souhaits, mais bon, voilà, c'est les termes médicaux, donc intraparenchymateux, et peut être associé à une inondation ventriculaire. L'hématome se forme rapidement, donnant des signes neurologiques focaux d'apparition brutale en rapport avec les structures détruites ou comprimées par la lésion. Par ailleurs, il se constitue un œdème autour de l'hématome qui aggrave la compression du cerveau dans la boîte crânienne, entraînant ou aggravant une hypertension intracrânienne, qu'on dit d'ailleurs HTIC. Alors l'hématome peut se rompre dans un ventricule cérébral. Maintenant, comme ça, vous savez un petit peu plus de choses. Parfois d'ailleurs aussi, lors d'accidents hémorragiques, il y a aussi une libération d'ion calcium qui induisent un vasospasme brutal à l'origine d'accidents ischémiques. Voilà. Alors, l'accident vasculaire cérébral est causé par une diminution, voire un arrêt brutal du débit sanguin dans les branches du réseau vasculaire en liaison avec le vaisseau, subissant une rupture de sa paroi, donc ça c'est le cas d'une hémorragie cérébrale, ou un blocage partiel ou total par un caillot, ça c'est le cas d'infarctus cérébral. Alors ainsi, les cellules nerveuses alimentées par ces branches sont privées soudainement d'oxygène et de sucre, ce qui provoque en quelques minutes leur détérioration ou leur mort. Chaque minute, d'ailleurs, qui passe, voit la destruction de 2 millions de neurones. Ça veut dire que chaque minute compte. C'est plus les minutes passent et plus vous prenez de risques dans votre santé et dans votre vie, parce que les AVC peuvent être parfois mortels, malheureusement. Alors, si vous sentez une quelconque douleur qui peuvent être les symptômes que je vous ai parlé, n'hésitez pas à appeler le 15 de suite. Hein. N'attendez pas la fin de la journée ou demain que ça aille mieux. Non. Vous appelez de suite le 15, le SAMU, de toute façon, pour être au minimum hospitalisé. N'attendez pas la veille ou le lendemain par rapport à ça. Ça, c'est très important à dire. Par ailleurs, dans le cas hémorragique aussi, la diminution est surtout due aussi à une compression des cellules nerveuses par l'hématome résultant du saignement. Il en résulte que des axones de neurones peuvent être sectionnés par déplacement en masse du tissu nerveux. Les natures ischémiques ou hémorragiques étant différentes, il en découle que les causes sous-jacentes sont différentes, mais ainsi que les traitements. Donc les deux AVC, il y a deux traitements différents. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, l'accident vasculaire cérébral reste une maladie grave.
D'accord, c'est très important. Ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment très très grave. Aux conséquences toujours dramatiques, avec un risque de décès de 20 à 30% au premier mois, et la nécessité de placement en institution en raison du handicap chez plus de 10% des survivants. Le pronostic à moyen et à long terme dépend essentiellement du degré de l'atteinte. Le risque vital se prolonge bien au-delà de la période aiguë, puisque la mortalité à un an a atteint près de 40%. Donc vous voyez, c'est assez sérieux. Dans l'ensemble, ces statistiques sont valables pour les pays stables et développés. Parmi les individus faisant un AVC, 80% avec une origine ischémique et 20% avec une origine hémorragique, je sais que je le répète, mais il faut quand même le dire. L'accident vasculaire cérébral est la seconde cause de mortalité au niveau mondial. Seconde cause de mortalité au niveau mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'évoquer. Hein. La première cause mortelle dans les pays en voie de développement, d'ailleurs. C'est la seconde aussi dans les pays développés. Nous en faisons partie, comme les États-Unis, la France et tout ça. Alors, c'est aussi la sixième cause en termes d'années de handicap. Voilà, ça c'est très important aussi à le souligner. Dans le monde, un petit chiffre au passage, 10,1 millions de personnes étaient victimes d'un AVC en 1990 et 4,7 millions en mouraient chaque année. En 2010, maintenant, on va faire en chiffres actuels. En 2010, les chiffres sont passés à 16,8 millions de victimes dans le monde. On est passé de 10,1 millions en 90 à 2000, 20 ans après, on va dire, c'est multiplié par 4. Voilà, on a 4 fois plus de personnes qui sont touchées par l'AVC en 20 ans. 5,9 millions de morts dans le monde, donc 1 million de plus par rapport à il y a 20 ans. Alors les projections en 2030 on a une perspective en 2030 qui donnerait 23 millions de personnes dans le monde qui seront touchées par l'AVC. C'est quand même assez inquiétant. On parle aussi d'un chiffre de 12 millions de morts dans 20 ans et de 200 millions de personnes avec des séquelles. Vous voyez, donc il faut prendre le sujet vraiment au sérieux. Au passage aussi, 75% des victimes ont plus de 65 ans et les hommes sont plus exposés que les femmes, mais les AVC progressent chez les moins de 65 ans en raison des modes de vie, comme par exemple la sédentarité, la malbouffe, le facteur du stress est également évoqué d'ailleurs. L'AVC aussi est qualifié de pandémie par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la Santé, dont la projection est la suivante. Voilà ce que l'OMS dit. Augmentation de l'incidence des AVC passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Augmentation aussi de la mortalité de 5,7 à 12 millions durant la même période. Voilà. En France, tiens, revenons aussi un petit peu en France, parce qu'on parle dans le monde, mais il faut revenir un petit peu en France aussi. L'AVC est la troisième cause de décès en France, après l'infarctus de myocarde et les cancers. Voilà, donc c'est quand même juste après les cancers, c'est quand même assez impressionnant, parce que c'est quand même responsable d'un décès par an pour 1000 habitants en France. Elle touche aussi 130 000 individus en France et font environ 62 000 décès par an. Voilà, ça c'est vraiment des chiffres à vraiment prendre en considération pour la France. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de handicap aussi. Acquis est la seconde cause de démence, parce qu'on parle de démence aussi. 25% des individus actifs frappés d'un AVC pourront un jour travailler à nouveau. L'âge moyen de survenue est de 68 à 70 ans, mais un AVC peut se produire à tout âge. Et les jeunes sujets, comme pour les moins de 45 ans aussi, parce que ça concerne pas que les seniors, mais ça concerne tout âge, l'AVC, qui constitue 10% des infarctus cérébraux. Voilà. Donc, par contre, c'est uniquement les AVC ischémiques, ce ne sont pas les hémorragiques. Pour les moins de 45 ans, c'est uniquement les AVC ischémiques. Alors, ça représente la majorité des causes d'hémiplégie, par exemple la paralysie d'un côté, par exemple. Voilà, entre autres, récente. 25% des victimes d'AVC ont moins de 55 ans, et après 55 ans, le taux d'incidence est multiplié par 2 tous les 10 ans. Voilà. Le coût correspond à plus de 4% des dépenses de santé dans les pays développés. Et le taux de létalité, qui est le pourcentage de personnes atteintes d'un AVC qui décèdent de quelque temps, est évalué. Alors, je vais vous le dire. Alors, un intervalle de temps depuis l'AVC. Alors, si un intervalle de temps de 3 mois, le taux de létalité est de 30%. L'intervalle de temps est de 6 mois, le taux de létalité est de 45%. Et enfin, si l'intervalle de temps est de 5 ans, il est de 70% le taux de létalité. D'accord ? Ensuite, ces données sont antérieures à 2000 quand même, il faut que, donc les chiffres ont sûrement évolué en 10 ans.
et ne tiennent pas compte d'ailleurs aussi des progrès de la prise en charge depuis notamment la fibrinolyse, voilà, entre autres. Alors, les facteurs de risque. Alors, il faut que vous fassiez un scanner cérébral montrant une hémorragie intracérébrale profonde due à un saignement dans le cervelet chez un homme de 68 ans entre autres. Les facteurs de risque sont classés en trois catégories, donc il y a majeur, moyen et faible, en fonction de leur risque relatif. Alors, les risques majeurs, les voici. Voilà le risque, le premier point, donc risque majeur, c'est-à-dire niveau de pression artérielle, notamment l'hypertension artérielle. Ensuite, dans le risque majeur, vous avez la fibrillation auriculaire. Vous avez l'arythmie cardiaque, l'alcoolisme chronique sévère et l'âge, bien sûr. Dans le deuxième risque, vous avez les risques moyens. Vous avez le diabète. Oui, le diabète fait partie des risques. Vous avez l'hyperhomocystéinémie. Voilà. Vous avez le tabac, l'œstroprogestatif, les infections et les antécédents, bien sûr, familiaux. Enfin, le troisième facteur de risque, c'est les risques faibles. Alors, on parle de l'hypercholestérolémie. Donc, si vous avez trop de cholestérol, faites attention. Vous avez aussi les migraines avec aura. Voilà. Et l'obésité, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est les trois catégories d'AVC. D'ailleurs aussi, au passage, un état dépressif semble aussi être corrélé avec un risque plus important de survenue d'un accident vasculaire cérébral. Ça, il fallait le souligner aussi. Alors, je vais essayer de vous faire un petit peu les détails de ce facteur de risque. Alors, pour l'âge, concernant l'âge, le risque augmente avec l'âge, parce qu'après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. D'accord? Concernant les antécédents familiaux, ça c'est le deuxième facteur de risque. Le risque augmente si dans votre famille vous avez un parent proche, votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur, a présenté un accident vasculaire cérébral avant 45 ans. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à dire. Le risque augmente aussi si votre père ou votre mère a présenté une maladie cardiovasculaire, donc par exemple l'infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans. Troisième possibilité, si votre mère ou votre sœur a présenté une maladie cardiovasculaire, donc l'infarctus du myocarde et mort subite avant 65 ans. Voilà. Ensuite, les facteurs du risque aussi sur lesquels vous pouvez agir, donc il y a le diabète. On parle de diabète lorsque la glycémie, qui est le taux du sucre ou glucose, est supérieur à 1,26 g par litre, à jeun, bien sûr, à jeun, ça c'est très important à dire, faut que vous soyez à jeun, lors de deux mesures. Si vous souffrez d'un diabète mal contrôlé, l'excès de glucose dans votre sang peut endommager les parois de vos artères. Donc ça, c'est important à dire. Ensuite, il y a comme facteur de risque l'hypertension artérielle. Alors, on parle d'hypertension si la pression artérielle systolique est supérieure à 140, c'est-à-dire 14, tout simplement. Si vous voyez que votre chiffre est au-dessus de 14, attention, soyez prudent dans sur l'hypertension et votre tension artérielle. Ou si la pression artérielle diagnostique est supérieure à 90, c'est-à-dire la deuxième ligne sur votre tensiomètre, faut que vous soyez en dessous de 90, c'est-à-dire le chiffre en dessous de 9, si vous préférez. Voilà. 90 mm ou 9 cm par hectogramme. Alors, troisième facteur de risque, c'est la fibrillation auriculaire. Alors, la fibrillation auriculaire, ce sont les oreillettes du cœur qui battent très vite. C'est un facteur qu'il est possible de traiter. Donc ça, ne vous inquiétez pas, si vous souffrez de ça, il n'y a pas de souci, il y a des traitements pour ça. Maintenant, le tabagisme. Concernant les facteurs de risque. Concernant le tabagisme, à court terme, le tabac favorise le rétrécissement des artères, la formation des caillots et l'apparition de troubles du rythme cardiaque. Sur le long terme, le tabac abîme peu à peu les artères. Voilà, ça, chers fumeurs, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Prenez des cigarettes électroniques ou arrêtez de fumer si vous ne souhaitez pas avoir un jour avoir affaire à un AVC. Ensuite, trois autres facteurs de risque, c'est le taux élevé de cholestérol. Alors, on distingue le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. Alors, si vous mangez trop gras, par exemple, si vous souffrez d'obésité ou si vous ne pratiquez pas d'activité physique, le mauvais cholestérol augmente et s'accumule sur les parois de vos artères sous forme de dépôts graisseux. Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation du sang. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. Alors, rien à voir avec la sclérose en plaques, je vous dis franchement, mais on parle quand même d'athérosclérose. Autre facteur de risque, alors cette fois c'est sur l'obésité et le surpoids.
Alors, on parle de surpoids si l'indice de masse corporelle est supérieur à 25 et d'obésité s'il est supérieur à 30. On parle voilà, l'indice de masse corporelle, c'est l'IMC. Vous voyez dans vos bilans de santé, vous avez votre IMC quelque part. Sinon, au pire des cas, si vous l'avez toujours pas fait, vous allez faire des analyses sanguines ou faire un bilan de santé. On vous donnera votre IMC. Alors, pour le calculer, aussi, vous pouvez calculer vous-même d'ailleurs. Tiens, si je vais vous donner aussi l'astuce pour le calculer vous-même. Vous utilisez un calculateur aussi qui vous allez aussi sur internet. Vous pouvez avoir un calculateur aussi directement. Ils vont vous dire comment ça marche. Alors, la présence de graisse au niveau abdominal est un facteur de risque. On parle d'obésité abdominale lorsque le tour de taille dépasse 88 cm chez la femme et de 102 cm chez l'homme. Voilà, si vous êtes au-dessus de 102 cm chez un homme, vous êtes obèse. Et si vous êtes chez une femme au-dessus de 88 cm, vous êtes de nature obèse. Voilà, abdominal par contre. Ensuite, autre facteur de risque, c'est sur la sédentarité. C'est-à-dire que si vous faites moins de 30 minutes d'exercice physique par jour, alors si vous faites en gros marcher, vous n'êtes pas obligé de faire du sport, il suffit tout simplement de faire une marche de 30 minutes par jour et voilà, ça peut vous faire que du bien et au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, ça peut vous faire que du bien. Et autre facteur de risque, c'est sur l'alcool, enfin, parce qu'il ne faut pas consommer par jour plus de 3 verres de vin pour les hommes et de 2 verres de vin pour les femmes. Voilà, donc faites très attention aussi à la consommation d'alcool. Voilà, comme ça, au moins, je vous ai donné toutes les petites astuces pour éviter un jour un AVC. Voilà, ça peut vous arriver, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Mais voilà, si je vous ai donné quelques petites des choses qu'il ne faut pas faire pour si vous souhaitez pas un jour être victime d'une AVC. Alors, pour un accident vasculaire cérébral, il y a 6 signes qui peuvent survenir. Alors, je vais vous donner tous les signes qui peuvent vous arriver. Alors, le premier signe, c'est la perte de la motricité et de la force d'un bras, d'une jambe et de la moitié du visage, la déviation de la bouche aussi, ou de la totalité d'un côté du corps. Ce déficit peut être total ou partiel, et dans ce dernier cas, on parle d'hémiparésie. Voilà, ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est la perte de la sensibilité d'un bras, d'une jambe, de la face ou de tout un côté du corps. Voilà, ça, si vous sentez pas un bras, faites attention, notamment surtout du côté, surtout de bras gauche, parce que vous savez que le cœur c'est du côté gauche. Si vous sentez vraiment du côté gauche une paralysie, soyez vraiment prudent là-dessus. Troisième signe d'AVC, alors vous avez la difficulté soudaine à trouver les mots ou à les exprimer. Si vous voyez que vous avez du mal à vous exprimer, soyez prudent là aussi. Les phrases par exemple ou des mots qui sont incompréhensibles, si vous avez du mal à parler tout ça. Difficulté aussi soudaine à parler, donc on parle de paraphasie. Vous avez aussi des difficultés à bouger la langue ou aussi impossibilité d'avaler la salive. Alors si vous avez toutes ces difficultés là, soyez prudent. Quatrième signe d'AVC, c'est le trouble soudain de l'équilibre et de la marche pouvant conduire à la chute. Si vous avez des soucis là-dessus, attention aussi. Cinquième signe, c'est la perte soudaine de la vision d'un œil. On parle aussi d'âme rose. Alors on parle aussi des visions, si vous avez des visions doubles aussi ou des visions troubles dues à des troubles de l'accommodation. Alors cette vision est troublée, peut apparaître 12 heures avant l'AVC par contre. Donc si vous avez des soucis de vue, soyez prudent pendant quelques minutes qui puis disparaître. Alors vous avez aussi des sensations d'éblouissement dans les yeux, par exemple impossibilité d'ouvrir les yeux à la lumière. Vous avez aussi des pupilles qui sont inégales ou non réactives à la lumière, ou aussi des pertes de la vision des couleurs. Voilà, tous ces problèmes de vue, si vous sentez ces difficultés de vue, soyez prudent aussi et renseignez-vous auprès d'un médecin ou au pire le SAMU. Et enfin, le sixième signe, ce sont tout simplement des maux de tête, violents ou intenses, sans podrome. C'est-à-dire qu'aucun signe ne survient avant la crise en cas d'AVC hémorragique. Voilà. Si vous avez ces six signes, tous ces signes que je vous ai parlé, renseignez-vous auprès du SAMU. C'est très important. N'attendez pas le lendemain. N'attendez pas 48 heures, une semaine en vous disant que ça va aller mieux. Si vous sentez vraiment que c'est assez douloureux et que ça dure surtout, faites appel au SAMU le 15. Ou au pire, à défaut, aussi les pompiers le 18. Alors, dans le cadre
d'une communication au grand public qui s'appelle l'American Stroke Association, qui ne sait pas en France, bien sûr. Alors, FAST étant l'acronyme, c'est-à-dire Face Arm Speech Time. Alors, la face, c'est le visage qui paraît inhabituel. Donc, il faut demander à la personne de sourire, par exemple. Arm, c'est-à-dire le bras, parce qu'en fait, ce sont des termes anglais. Hein. Arm, ça veut dire bras en français. Un des bras reste pendant. Demandez à la personne de lever. Si voilà, en fait, c'est ça. Je vais vous donner, en fait, si vous préférez, des astuces. Si vous avez quelqu'un en face de vous, en clair et précis, vous avez une personne qui fait ces petits problèmes de ces petits signes, je vais vous donner des astuces si vous avez un ami ou un proche de votre famille qui fait ça. Alors si par exemple cette personne fait un problème de visage. Si le visage vous paraît inhabituel, alors vous demandez à la personne de sourire. Si vous souriez, ça va. Si vous ne savez pas sourire, attention, là, de suite, vous réagissez. Concernant le bras, si un des bras reste pendant l'AVC, vous demandez à la personne de lever les deux bras. Si la personne a du mal à lever les deux bras, ça commence à être inquiétant là aussi. Je parle bien sûr de ceux qui sont victimes d'AVC. Hein. Ensuite, la parole. Si la personne parle bizarrement, vous demandez à la personne victime d'AVC de répéter une phrase simple, tout simplement. Voilà, vous donnez pas une phrase difficile, une phrase simple, bête. Vous lui dites de répéter, tout simplement. Et enfin, la durée, dans le sens urgence. Si vous observez un de ces symptômes, appelez les secours immédiatement, bien sûr. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que si vous voyez que ça dure et que ça persiste, n'hésitez pas à faire appel au 15. Au secours, le 18, les ambulances, les hôpitaux, enfin, peu importe, vous faites appel au secours tout de suite. Ça, c'est très important. Alors, les AVC peuvent aussi se traduire beaucoup plus rarement par une crise convulsive ou un état de confusion mentale apparemment isolé. Ces signes peuvent avoir une autre cause, par exemple une tumeur au cerveau, une intoxication, un œdème cérébral ou un traumatisme crânien. Alors, une des caractéristiques des AVC est que ces signes apparaissent de manière soudaine. Ils sont parfois négligés, minimisés lorsqu'ils sont brefs. Dans certains cas, on peut avoir l'impression que la personne est saoule. Voilà. Donc, alors qu'elles sont pas saoules du tout. Dans les cas les plus graves, la victime perd conscience. Malheureusement, un coma. Voilà. Quelle que soit la cause de ces signes, AVC ou autre, il s'agit d'une urgence vitale qui doit être traitée le plus rapidement possible. Il importe donc d'avoir une prise en charge médicale immédiate lorsqu'un de ces signes survient, en appelant les urgences médicales. Tout retard dans le traitement peut conduire à des séquelles importantes, par exemple de la paralysie, voire malheureusement au décès. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment agir très vite en cas de symptômes, de signes d'AVC. Voilà, c'est ça qui est très important. Selon la durée des symptômes, il est défini comme donc accident ischémique transitoire, les fameux AIT. Alors, ces AVC ischémiques sont totalement régressifs en moins de 24 heures. Les accidents ischémiques rapidement régressifs, donc ces AVC ischémiques dont les signes disparaissent en moins de 5 jours. Et enfin, les accidents ischémiques constitués si les signes persistent au-delà de 5 jours. Voilà, ça, ce sont les durées des symptômes. Alors, que les symptômes, voilà, donc on a l'habitude de penser, malheureusement, que les accidents vasculaires cérébraux sont réservés aux personnes de plus de 65 ans, or que c'est pas le cas, ça concerne tout âge. La toute dernière publication dans la revue qui s'appelle The Lancet montre qu'il faut désormais commencer à s'inquiéter pour les plus jeunes. L'équipe de recherche dirigée par le professeur Valérie Fedjin, qui est dans l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, explique ainsi que le nombre d'AVC au niveau mondial chez les personnes âgées de 20 à 64 ans a augmenté de 25% en 20 ans entre 1990 et 2010. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'on va se battre et qu'il faut vraiment prendre en compte ces chiffres. Les AVC dans ce groupe d'âge représentent aujourd'hui 31% du total de ces accidents contre 25% avant 1990. L'ampleur de cette augmentation est une vraie surprise, souligne d'ailleurs Mathieu Zuber, qui est le chef du service de neurologie du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Les chercheurs recensent également chaque année 83 000 AVC chez les moins de 20 ans. Si l'on ne connaît pas pour l'heure les chiffres en France, on a effectivement l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes porteurs de risques vasculaires en raison d'une mauvaise hygiène de vie, par exemple l'obésité, la sédentarité, l'alimentation de mauvaise qualité, entre autres. Alors j'ai par exemple une image
Je peux vous faire un petit j'ai une photo voilà qui est assez bien fait quand même je trouve. Alors le nombre d'investis dans le monde qui a voilà c'est en augmentation soudain donc en 1990 dans le monde entre 20 et 64 ans. Attention, là je suis bien chez les jeunes en dessous qui les facteurs voilà que les concernés entre 20 et 64 ans. Alors en 1990, il y avait 2,9 millions. En 2000, 4,4 millions dans le monde. Et enfin, en 2010, 5,15 millions. Voilà. Maintenant, faisons une comparaison avec les 65-74 ans. En 1990, il y a eu 3,3 millions de personnes victimes d'AVC dans ce critère d'âge. Ensuite, en 2000, on est passé à 4,8 millions de victimes entre 65 et 74 ans. Et enfin, en 2010, nous sommes passés à 5,22 millions de personnes qui sont touchées par l'AVC entre 65 et 74 ans. Enfin, pour finir, et ça, vous vous en doutez que les personnes âgées sont les plus touchées, donc pour les plus de 75 ans, je vais vous donner les chiffres aussi, chez les plus de 75 ans dans le monde, alors en 1990, ils étaient 3,7 millions de touchés dans le monde, en 2000, ils étaient 5,4 millions, et enfin, en 2010, et ça c'est le plus gros chiffre, 6,42 millions de personnes touchées par l'AVC. C'est-à-dire que, bien sûr, les premières personnes touchées par l'AVC sont les personnes de plus de 75 ans dans le monde. Voilà, ça je vous ai donné les chiffres en détail. En France, d'ailleurs, une personne est concernée par un AVC toutes les 4 minutes. Alors voilà, ça c'est un autre chiffre qu'il faut aussi vous dire. En France, une personne est concernée par un AVC toutes les 4 minutes. Ça c'est très très alarmant. Elles sont aujourd'hui plus de 500 000 à souffrir des séquelles motrices ou intellectuelles en France. Hein. L'AVC, qui reste un événement grave, fatal dans près d'un cas sur 5, ce qui est en fait la première cause de mortalité chez la femme et le troisième chez l'homme en France, après les cancers du poumon et les infarctus du myocarde. Il touche les hommes plus précocement en moyenne à 70 ans, alors que les femmes le sont 6 ans plus tard, c'est-à-dire que la moyenne d'âge chez les femmes c'est 76 ans. L'AVC est ainsi la deuxième cause de démence derrière la maladie d'Alzheimer. Et oui, il faut aussi le souligner. Peut-être que vous ne le saviez pas. Voilà, c'est juste derrière. C'est quand même la deuxième cause de démence juste derrière la maladie d'Alzheimer. C'est quand même important à souligner aussi. Par exemple, en octobre 2012, le ministère de la Santé estimait qu'il y avait en France 771 000 personnes ayant eu un AVC, dont 505 000 qui présentant des séquelles. Il est important d'agir en amont en réduisant le risque, notamment grâce au traitement contre l'excès du cholestérol et l'hypertension artérielle. Il est tout aussi impératif d'appeler rapidement le 15 en cas d'apparition de symptômes tels qu'une paralysie brutale ou même un affaiblissement d'une partie du corps, une déformation de la bouche ou des difficultés à parler, des maux de tête sévères, etc. Il faut consulter car ils peuvent être le signe annonciateur d'un véritable AVC. Cette crainte d'un accident plus grave contribue d'ailleurs à altérer durablement la qualité de vie des personnes ayant eu un AIT, qu'on en a parlé tout à l'heure. Pour tous les patients qui font un AVC, un diagnostic rapide pour permettre une éventuelle thrombolyse, c'est-à-dire que c'est la destruction du caillot par un médicament, qui peut éviter des dégâts supplémentaires au cerveau et donc réduire l'impact de l'AVC sur la mobilité, la parole et la déglutition. Bref, leur permettre de continuer leurs activités habituelles. Donc pour les femmes, parce qu'il faut aussi souligner pour les femmes, les séquelles sont les plus fréquentes chez les femmes, sont des troubles de l'équilibre, voilà, et des troubles de la mémoire. Puis les paralysies ou l'affaiblissement d'un ou plusieurs membres, et enfin des troubles du langage. Près de 34% des personnes atteintes expliquent ne pas pouvoir marcher sans assistance. L'AVC représente donc, comme je l'ai dit, la troisième cause de mortalité pour les hommes et la première pour les femmes avant le cancer du sein. Du coup, les médecins militent pour faire connaître les symptômes et permettre ainsi la prise en charge la plus rapide possible. Les techniques actuelles permettent aujourd'hui d'agir jusqu'à 4h30 après l'accident, mais chaque minute passée après le début des symptômes, c'est 2 millions de neurones détruits. Quels sont les symptômes? On les a tous cités. Ces symptômes apparaissent très brutalement, durent quelques minutes et disparaissent aussi rapidement, ce qui rassure faussement les personnes, d'autant qu'ils ne s'accompagnent pas de douleurs.
En France, la prise en charge s'est considérablement améliorée donc ces dernières années, grâce notamment à la création d'un réseau hospitalier d'unités neurovasculaires. Il en existe environ 130 sur les 140 à 150 prévus dans le plan AVC 2010-2014. Il y a un plan qui existe actuellement, je vous en parlerai tout à l'heure. Elles ont permis de réduire la mortalité et la dépendance de 40%, qui souligne le professeur Thierry Moulin, qui est le président de la Société française neurovasculaire. En cas de problème d'ailleurs, la priorité est d'appeler le SAMU. Même si la personne peut marcher, il ne faut pas bouger ni même l'emmener aux urgences. Alors, c'est ce qu'il faut bien souligner. Ne l'emmenez pas par vous-même, s'il y a une personne qui est victime d'AVC, n'amenez pas par vous-même la personne à l'hôpital. Vous appelez le SAMU, c'est le SAMU qui s'en chargera. Vous ne faites rien. La seule chose que vous avez à faire, c'est appeler les secours. C'est tout ce qu'il faut faire. L'AVC quand même, on répète, c'est la première cause de handicap chez l'adulte, hein. On l'a dit au début, on le répète. Alors, on souhaite aussi que le prochain plan qui insiste sur la prise en charge de ces patients dans la société, dont on sait également que 40% d'entre eux souffrent de dépression. Alors ça, il faut quand même le souligner parce que ça n'a pas beaucoup été évoqué dans le sujet. La dépression n'est peut-être pas un facteur de risque et pourtant, il faut quand même le souligner que 40% des gens qui souffrent d'AVC souffrent également de dépression. Alors ça, c'est quand même assez inquiétant. Il faut quand même le prendre en compte, la dépression. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Une vaste étude d'ailleurs rassemblant les données fournies par 119 pays montre que le nombre des AVC a augmenté de 25% en 20 ans chez les 20-64 ans. Pourtant, leur part dans le nombre total d'AVC a 31% en 2010 contre 25% en 1990. Alors, les conséquences de ces accidents vasculaires sur la qualité de vie sont sous-estimées. Voilà, affirme par exemple un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Peter Rodwell de l'université d'Oxford. Un constat qui est étonnant car il s'agit d'un enjeu de santé publique bien identifié. En France, plus de 100 000 personnes sont hospitalisées, ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, 100 000 personnes sont hospitalisées chaque année en France à la suite d'un accident vasculaire cérébral et 30 000 le sont après un accident ischémique transitoire, la forme transitoire de l'AVC. Alors, dans les deux cas, il s'agit d'une perte brutale des capacités du cerveau à cause d'une artère bouchée ou rompue. Voilà les principales causes de ceux qui sont hospitalisés. La qualité de vie ne se résume pas du tout à la santé et aux capacités physiques. Voilà, ça aussi, il faut le souligner. Elle inclut aussi la sensation de bien-être psychologique et social. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé l'a définie d'ailleurs comme un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec des spécificités de son environnement. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de pause avant de parler des traitements de tout ça, parce que je vous ai parlé beaucoup des symptômes et des signes et des facteurs de risque. Après, je vais vous parler des traitements, de comment ça fonctionne, voilà, et pourquoi aussi ça devient mortel. On va parler maintenant des traitements. Je rappelle qu'une hospitalisation est nécessaire, idéalement en milieu spécialisé. On parle notamment d'unités de soins intensifs neurologiques ou unités neurovasculaires, dont des expériences pilotes dès les années 1950 ont finalement montré dans les années 80, grâce à des essais thérapeutiques randomisés, des bénéfices réels par rapport à une prise en charge conventionnelle avec un risque de mortalité et de séquelles réduits de 20% chacun. Alors en aigu, après un bilan hospitalier, le traitement se confond avec celui de la cause. Et, voilà ce qui est proposé. Premier traitement, c'est un traitement par anticoagulant en cas de cardiopathie emboligène. Alors ce traitement doit être discuté si l'accident est important du fait du risque majoré de survenue d'une hémorragie secondaire, par exemple le ramollissement hémorragique. Deuxième traitement possible en aigu, c'est un traitement par médicament anti-agrégant plaquettaire en cas d'ischémie. Le plus souvent d'ailleurs de l'aspirine à petite dose. Voilà ce qu'on propose comme médicament. Troisième traitement possible, c'est un traitement anti-hypertenseur. Alors, il doit permettre cependant de maintenir une pression artérielle minimale afin d'assurer une perfusion optimale du cerveau. Autre traitement possible, c'est un traitement neurochirurgical dans les cas particuliers rares d'hémorragie cérébrale, d'infarctus cérébelleux,
et aussi d'infarctus hémisphérique malin. Alors les médicaments thrombolytiques, comme alors je vais vous donner certains noms de médicaments. Donc il y a l'alteplase par exemple, l'urokinase ou alors la strepokinase. On entend beaucoup de as à la fin. Alors ça permet la dissolution d'un caillot par thrombolyse ou fibrinolyse par voie intraveineuse, qui sont utilisés en cas d'accident vasculaire cérébral d'origine ischémique, qui doit être pris en charge idéalement dans les 90 minutes et au grand maximum moins de 4h30 après les premiers symptômes. Alors on parle de notion de fenêtre d'opportunité thérapeutique. Hein. Alors selon les recommandations des sociétés savantes neurovasculaires. Alors ça permet une récupération complète plus fréquente, tout ça, et diminue aussi la mortalité. Par exemple, ça augmente de 30% les médicaments augmentent de 30% des patients guéris ou avec des séquelles minimes. Donc déjà le médicament, ça calme bien les choses et ça permet des risques de décès. Cependant, étant donné ses effets indésirables potentiels, notamment les hémorragies intracrâniennes, la marge de manœuvre entre les bénéfices de ce traitement et ses risques est très étroite. De plus, le faible délai disponible nécessite une prise en charge spéciale, avec entre autres un neurologue d'astreinte 24 heures sur 24 et la possibilité de réaliser une imagerie cérébrale, le scanner ou l'IRM bien sûr aussi, en urgence pour éliminer un accident hémorragique. Ensuite, il y a des traitements endovasculaires qui sont complémentaires. Donc il y a des traitements complémentaires, par exemple une injection directe du fibrinolytique au niveau du caillot ou dispositif de retrait de ce dernier, qui permettent d'avoir un taux de reperfusion meilleur, mais sans bénéfice prouvé pour le patient, probablement en raison du délai plus important imposé par la mise en route de ce type d'intervention. Voilà, ça, ce sont tous les traitements. Je ne sais pas si vous-même avez subi ce genre de choses, si vous-même avez été victime d'un accident vasculaire cérébral, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour ça. On n'est pas là pour vous pouvez aussi vous venir à titre privé, confidentiel sur le chat avec un pseudo, peu importe. Comme ça, vous pouvez être on divulguera pas de nom. Vous pouvez venir sur le chat témoigner si vous avez été victime d'un AVC. Je répète le lien du chat, www.equality-radio.fr. Le chat est ouvert, n'hésitez pas. Alors, autre chose qu'on va parler, parce qu'il ne reste pas grand-chose à parler sur les AVC. Alors, comme je vous ai dit, il y a un plan national d'action en France, d'AVC qui dure depuis 2010 et qui sera jusqu'à l'année prochaine en 2014. Alors ce plan, je vais vous en parler, qui repose sur 4 priorités déclinées en 17 actions opérationnelles pendant cette période. Alors, quelles sont ces 4 priorités en France? Alors, il faut améliorer la prévention et l'information de la population avant, pendant et après l'AVC. Ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité de ce plan national, c'est mettre en œuvre des filières de prise en charge et les systèmes d'information adaptés. Troisième priorité, c'est assurer l'information, la formation et la réflexion des professionnels impliqués. Et enfin, quatrième priorité, c'est promouvoir la recherche et veiller aux équilibres démographiques. Parce que on voit par exemple dans les hôpitaux, au service cardiologie, vous avez par exemple une grande affiche sur les AVC. Je crois que vous en avez aussi chez vos médecins traitants, qui vous explique bien aussi, qui avec un schéma, que si vous êtes victime de tant, c'est que vous êtes victime d'un AVC. Bon, voilà. Et puis il y a aussi un petit clip audio qui explique aussi bien par rapport aux symptômes que si vous êtes victime d'un AVC, appelez le 15, c'est très important. Alors ces priorités, je suis toujours sur le plan national d'action, alors ces priorités sont au service d'une ambition, c'est-à-dire permettre une meilleure articulation entre les diverses composantes de notre système de santé, ensuite décloisonner les secteurs de la prévention, du soin et de l'action médico-sociale pour déployer une véritable politique de santé publique, allant de la prévention et de la promotion de la santé à la réhabilitation et la réinsertion sociale. Autre point aussi, c'est prévenir et soigner l'AVC.
qui nécessite à tous les stades une articulation coordonnée dans les secteurs sanitaires et médico-social entre de nombreux professionnels de santé, médecins et de non-médecins aussi, hospitaliers et libéraux. S'il y a un thème qui justifie le décloisonnement de tous ces acteurs, c'est bien l'AVC. Alors ce plan national d'action qui fixe parmi ses priorités d'action non seulement l'accès aux soins en urgence, mais aussi la prise en charge adaptée au handicap, que celui-ci soit transitoire ou définitif. Ceci se traduit en particulier par le développement et la montée en charge des unités neurovasculaires, dont le maillage par exemple, entamé dès 2010, offre aujourd'hui une couverture homogène des soins en urgence sur le territoire français. Cela implique également le renforcement de l'organisation de filières structurées de prise en charge de l'AVC pour éviter toute perte de chance avec l'évaluation des besoins en soins, en rééducation ainsi qu'en réadaptation et en réinsertion à domicile ou en établissement médico-social. Alors, autre point aussi en France, c'est qu'il y a un lancement d'une campagne qui s'appelle AVC Agir Vite. Alors oui, parce qu'en fait, vous savez que AVC veut dire accident vasculaire cérébral. Mais il y a une campagne qui existe, qu'ils ont trouvé une nouvelle définition d'AVC qui veut dire agir vite, c'est important. Alors, je trouve ça très, j'aime bien. C'est bien fait. Je trouve que agir vite, c'est important. Donc voilà. Au passage, je tiens à vous dire qu'aussi qu'il existe une journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral qui a lieu tous les 29 octobre de chaque année. Je sais pas si vous étiez au courant. Et lors de le 29 octobre dernier, il y a eu Marisol Touraine qui est ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui a réagi et qui souhaite renforcer les actions de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. C'est pourquoi la ministre renouvelle à partir depuis d'ailleurs le 29 octobre dernier la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la reconnaissance des signes de l'accident vasculaire cérébral et la conduite à tenir en cas d'apparition de ces signes. On rappelle encore les chiffres, il faut le répéter, c'est qu'en France, 130 000 nouveaux cas d'AVC surviennent chaque année, dont 25% chez les moins de 65 ans. Ça peut également survenir chez l'enfant. L'AVC, on répète, est la première cause de handicap acquis chez l'adulte en France. Environ 500 000 personnes souffrent au quotidien des séquelles d'un AVC. C'est pourquoi cette campagne engage à mobiliser le grand public afin que l'AVC soit perçu comme une extrême urgence. Il s'agit de reconnaître les signes d'alerte de l'AVC, de réagir avec les bons gestes permettant de mettre en place au plus vite le traitement spécifique. Donc, dans le cadre du plan national AVC 2010-2014 que je vous ai parlé il y a deux minutes, de nombreuses avancées ont été réalisées. Ainsi, il y a eu 126 unités neurovasculaires qui sont mobilisées en France pour la prise en charge en urgence de l'AVC. L'enjeu majeur est la réduction de la mortalité et de la gravité des séquelles et handicaps. Et à l'occasion de cette campagne, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui est, je répète, Marisol Touraine, tient à rappeler l'importance de la prévention pour lutter contre les facteurs de risque de l'AVC, car plus on cumule de facteurs de risque, plus on augmente le risque de faire un AVC, et il est possible d'agir sur un grand nombre de ces facteurs. Donc, je le répète, hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité et le taux élevé de cholestérol. Agir sur sa consommation de tabac, d'ailleurs, sur son alimentation, augmenter son activité physique sont des gestes de prévention utiles pour se protéger. Des actions de prévention et d'éducation en santé qui seront un des axes majeurs de la stratégie nationale en France de santé, que la ministre des Affaires sociales et de la Santé vient de lancer depuis le 23 septembre 2013. Vous pouvez également signer AVC Agir Vite, c'est important. C'est une campagne qui a pour objectif de faire connaître les signes d'alerte de l'AVC et la conduite à tenir en cas d'apparition de ces signes. Alors si vous souhaitez avoir plus d'informations détaillées, vous allez sur le site du ministère de la Santé, vous allez sur Google, vous tapez le ministère de la Santé, vous avez des renseignements sur l'AVC qui sont très complets. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce que je vous ai dit, en conclusion de ce sujet, si vous voyez qu'un membre de votre famille, un ami, un entourage, peu importe, si vous voyez qu'il y a des signes, première chose à faire, je vous ai donné des astuces tout à l'heure pour voir par rapport au visage, par rapport notamment à la vue, tout ça, aux bras aussi, surtout, levez bien les bras. Si vous voyez que ça perdure, que ça persiste, n'hésitez pas à appeler le 15. Ensuite, concernant
les personnes qui sont seules, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont, peuvent être victimes aussi de ça, la moindre des choses, c'est surtout n'attendez pas, ne prenez pas de risques. Si vous sentez la moindre chose, même si ça peut vous paraître ridicule, mais ce n'est pas ridicule parce que ça peut sauver votre vie, vous appelez le 15 par sécurité, ce n'est qu'une question de sécurité pour votre vie, vous appelez le 15 par sécurité, pour savoir si vous avez un risque d'AVC majeur ou pas. Voilà, et puis ça peut, pour éviter un risque de décès, ben voilà. Là je parle des cas où il y a des personnes seules, parce que malheureusement il y en a certains qui n'ont pas cette chance et qui peuvent pas être secourus comme tout le monde. Bon, voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.